Oui, monsieur le maire, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de la députée. Effectivement, des choix politiques doivent être assumés, et j'ai bien compris que vous assumiez les vôtres. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours d'accord. Je viens d'entendre Yann Cucherat nous dire que l'Open Sport de Lyon était une grande réussite. Vous me permettrez, cher Yann, de ne pas avoir tout à fait la même vision. Et je ne sais pas, monsieur le maire, si votre emploi du temps vous a permis d'y aller dans le week-end, mais effectivement, c'était une petite quarantaine, j'en avais noté une trentaine, de clubs sportifs qui ont répondu à un appel sur les 320 clubs adhérents de l'Office des Sports. C'était un vide-grenier qui, honnêtement, était plutôt famélique, et c'était une adhésion du public lyonnais qui était malheureusement plus que limitée. Cette manifestation n'a manifestement pas rencontré l'engouement espéré. Le futur ex-ministre de l'Intérieur ne s'y est d'ailleurs pas trompé. Il s'est personnellement assuré que la sécurité publique était garantie lors de l'ensemble des forums des associations des arrondissements, mais n'a pas fait le déplacement à l'Open des Sports, où il aurait, c'est vrai, rencontré et moins de Lyonnais et moins d'associations. Avec un budget annoncé de 57 700 euros, nous attendons toujours les éléments précis demandés en commission par Dominique Nachury. On peut parler aujourd'hui d'un gâchis, ce n'est pourtant pas faute de vous avoir prévenu. Comme vous l'a déjà expliqué Pierre Véran en juillet, il nous semble que vous vous fourvoyez dans une politique sportive plus tournée vers l'événementiel que par le soutien aux petits clubs sportifs. La suppression des Lions du Sport était un exemple criant, cette subvention de 5 000 euros vient de confirmer. Cette somme n'aurait-elle pas été mieux employée en la versant directement à des clubs, Madame Brunière vient de nous le dire, dont la difficulté n'est pas aujourd'hui de trouver des pratiquants, mais plutôt de les accueillir dans de bonnes conditions matérielles et d'encadrement. Au-delà de cette subvention et de cette manifestation, nous tenions par un vote contre à vous dire une fois encore que cette politique, que votre politique, n'est pas la bonne. Je vous remercie.